coup de Zef sur l'info. Le ministre de l'Intérieur rattrapé par une histoire d'assistant parlementaire. Bah oui, Bruno Leroux quoi. Un type, on lui aurait donné Martine Aubry sans confession. T'es vrai, hein? Avec un crâne lisse comme les fesses d'un bébé. Ah oui. D'ailleurs, pour arriver à ce résultat, il faut le savoir, Le rouston. Oh non. Ah mais je peux pas l'empêcher. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à notre pauvre Bruno? Il a déjà fait mieux. Hein? Ah, oui, mais j'en ai une après. Ah d'accord. Alors, il avait trouvé un petit job d'été à ses filles quand il était député. Et les voilà dépités. Jusque-là, bon, ça va, il faut aider ses enfants, c'est normal. Elles avaient 16 ans, c'est bien de savoir qu'un député se fait assister par des ados, en plus ça rassure quand même. Puis j'ai des ados, ça les fait prendre l'air, parce qu'elles sont moins moisies comme ça, vous voyez, sinon ça fait quoi des ados, hein? Ça va sur Internet, ça fait des blogs, ça tweet. Tandis que là, pour papa, ben, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées sur Internet, elles ont fait des blogs, elles ont tweeté, mais elles ont été payées. Mais ça les responsabilise, ouais. Voilà, il a dû lire tout Florence Pernoud, j'élève mon enfant, Leroux, à mon avis. Et donc c'est pour ça qu'il aurait dit que c'était pour passer du temps avec elle, vous pensez? Bah oui, tu pépères. Pas de soucis, moi, c'est là qu'on voit quand même qu'on vit pas dans le même monde. Parce que pour passer du temps avec ses filles, ça lui a quand même coûté 50 000 balles, quand même. Hein? Bah oui, et quand je dis ça lui a coûté, ça nous a coûté 50 000, parce que c'est notre argent. Moi, je dis qu'il aurait plus intérêt à se payer une thérapie familiale à ce compte-là, vous voyez, c'est remboursé par la Sécu. Moi, aller passer du temps avec mes enfants, au pire, il est petit, ça me coûte au pire un chocobon. Et aucun contribuable n'a contribué. Oui, mais ben lui, il a démissionné quand même. Oui, en tout cas, oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Parce qu'il ne doit pas être catholique. C'est plus facile de se retirer dans ce cas-là. Il est passé de l'intérieur à le cours. Voilà. Sacré Leroux. Il était tranquille, on le dit dans le milieu, hein, il est zen, c'est rare que Leroux pète un câble. J'avais dit qu'il y avait pire après. Bah, je ne serais pas si moqueur s'il n'avait pas dit le 25 janvier, hein, je cite, l'emploi de leur famille par les parlementaires ne devrait pas être autorisé. Il l'a dit, voilà, quand je dis qu'ils ont honte de rien. À moins que ces deux filles ne soient pas de sa famille. Ah, vous pensez que c'est possible, ça? Ah, bah, vous savez, c'est de la politique, il y a des trucs qui nous dépassent, hein, voilà. Hein. Moi, je crois que je vais me présenter aux législatives. Bonne idée. Ouais. Et moi, député, bah, j'embaucherai mon fils cadet à l'Assemblée. Bon, il a 3 ans, mais si c'est bien payé, il le ferait. Hein. Ouais, et au moindre problème, lui, il envoie Robocar Poli et la patte patrouille, voilà. Et l'histoire est vite réglée. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Coup de Zef sur l'info.